vraiment parcouru. Non. Dans ce mondial 2022 face à l'Australie pour l'équipe de France, c'est très appréciable ce soir ici au Stade de France. Effectivement, superbe ambiance. Qui était avancé. La qualité du gelon de Benoît Badiachil. 13e sélection aujourd'hui. Loin bien sûr des 87 de Raphaël Varane désormais. Sabitzer. Avec Maximilian Vauber pour retrouver Marcel Sabitzer. Andreas Herzog. Qui était le joueur le plus capé jusqu'à ce soir. C'était en septembre 2008. Il y a 14 ans. Un succès 3-1 mais à l'époque en terre autrichienne. Cité à aller prendre ses ballons dans les pieds adverses. Latéral. Donis Zivo vers Arnautovic. Récupération Raphaël Varane est là où la prise de balle de Marco Arnautovic. Donis Zivo lancé dans la profondeur. Couverture tranquille de Raphaël Varane. Désormais pour Olivier Giroud. Ah, c'est un bon ballon ça. Bon départ de Marco Arnautovic. Excellente intervention défensive. Frappé hein. Là il peut frapper. Il tente le crochet sur Varane. Malgré ces 12 joueurs qui manquent sur la Coupe du Monde, Olivier Giroud, ça se voit, ça se sent. Le centre, intervention Saliba. On est pied de Raphaël Varane. Merci. Récupération de Romano Schmidt. Romano Schmidt, petit ballon vers Gregoric. Et Raphaël Varane qui a fait l'effort, qui a fait la course. Et Saliba qui a été pris dans le dos par Baumgartner qui a pu centrer. Oui, je s'est récupéré par... Ouais, parce qu'on a vu vraiment de belles choses, notamment sur le plan offensif. Schlager, là. Ljubicic, le centre de Ljubicic, premier point. Deux défaites consécutives ici, dans leur maison du Stade de France. Et prêt à entrer. Ah, le vent centre, on ne sait pas. Olivier Giroud, ce soir.